quand même. Oui, déception du résultat, ça, le résultat, c'est clair qu'on est déçu. En plus, on savait que Marseille, ça finit fort, ils finissent très fort, ils ont une grosse qualité offensive, technique, ils nous ont vraiment mis en difficulté. Après, on a eu notre chance en menant au score. Et après, c'était un peu comme le match qu'on a fait contre Lyon il y a quelques temps. Tu mets pas le deuxième but contre une équipe qui te domine pendant 90 minutes, c'est compliqué. En fait, les deux équipes qu'on va jouer, que ce soit Marseille ou nous, joueront leur maintien. Donc on sait qu'on a un match à Lorient qui va être compliqué. On le voit, on finit, c'est difficile, mais on va le préparer pour le gagner. Après, on verra. Après, même si on a 10-1% de chance, Il faut tout donner, et voilà, on donnera jusqu'au bout, jusqu'à la 38e. Un mot sur votre émotion, forcément, ce soir, vous qui êtes arrivé en 2009. Ouais, je suis arrivé en 2009, mais après, comme j'ai dit, aujourd'hui, on parle de supposition. Mon club aujourd'hui n'a pas à communiquer là-dessus et n'a pas pris de décision. Du coup, je me suis un peu calé sur ça. Moi, c'était plus une communion pour la saison que j'ai faite qu'autre chose, et la fin de saison qui est intéressante, mais comme je dis, aujourd'hui c'est difficile de se projeter dans un truc que je sais pas. Donc je vais faire le point d'ici la fin de saison, je vais me caler sur mes dirigeants, et aujourd'hui, comme j'ai dit, ma meilleure réponse de respecter les décisions, même si on n'est pas obligé de toujours les comprendre, c'est d'être performant sur le terrain, c'est ce que j'essaye de faire.